ça on va regarder là c'est un groupe monde qui a entré la caillou disons madame et monsieur qui a entré dans caillou qui m'a des bonnes seulement pour le vin ouvert pour vous madame monsieur pendant yon en route il a débarqué pour venir la caillou d'ailleurs quand ouais ça à travers les différentes images que nous gagnons de la part de système caméra qui est dans la cour ou bien dans caillou ou un bon nan vini, le vin ouvert. Vidéo ça, mesdames, messieurs, pour le suivre là, c'est clairement le montrer comment le pays d'Haïti baga la compliqué. Qui j'en baga la mélanger. Yo débarque non seulement entrer dans la caille là, yo tout est bon nan. Et deuxièmement, messieurs, a débourré tout en dedans, c'est comme quoi, yo gon baga yo te met là à chercher. Situation ça a tellement compliqué, difficile pour parents. Et en général, pour moun yo ki rete kwè ke baga la ta supposé changer, pa ta supposé fait comme ça. Donc, yo rive fè de gros démarches au niveau de la justice. Mais n'a pas rappelé que monsieur yo tiye plus passé 3 moun avant que yo réussi avec opération ça. M'bral ki to gade vidéo a, et puis moi-même m'bral vin jwenn nou bon bon détail. Et m'a di nou ça, même là ouais Haïti baga la comme ça. Il y a un pile l'autre côté la passé même gens t'attendent dans moment ça il y a un pile fusillade qu'a fait aux États-Unis d'Amérique un pile vol qu'a fait là dans la République Dominicaine c'est pas seulement en Haïti bagarre marché so on pas veut dire nous prend courage mais ça que nous supposé faire c'est voir comment nous capable mettre force nous mettre des grains dans des grains nous pour nous capable avancer nous être quoi que situation pas trop facile situation pas qui force situation les dépasser tout le monde. Donc, est-ce que nous avons croisé nous pour nous quitter? Nous avons des âmes dans nos mains pour nous capables de faire ça et voler avec nous-mêmes, les gens du monde. Est-ce que nous avons offert nous la vie? Nous? Est-ce que nous avons quitté au-dessus de nous? Est-ce que nous avons quitté au-dessus de tout ça et voler avec nous? Je vais vous donner des détails, mais je vais profiter de parler de nous tous de nos images. Il y a une demoiselle qui est très virale là. Donc, nous avons posté sur la page de nos côtés. Nous avons montré une demoiselle ça tout au nous. Donc monsieur kidnappé et me choisi pas bay non pour respect me laquer image là tout c'est parce que visage pas paraître madame monsieur donc après kidnappé au fin violer yo ballon balle dans pied et deuxièmement yo mette zam sur lui au mari code li j'en regarder là y a maltraité comme une pute et c'est révoltant bagay ça insécurité ça non seulement prend toute classe mais prend toute bagay dans dernier niveau donc n'a profité saluer un paquet moun qui prend le soir matin midi soir cap suivre go bout toto travail ça cap fait jeune fille pas qualité non impasse côté bagala difficile pour est-ce qu'elle va quitter nèg qui gens amener mais au fait ça ouvler donc dès tu la vie nous non est-ce que tout monde pas capable font fait ça pour une population pour dire nous même en tant qu'haïtien nous gon révolte pour nous faire pour nous changer bagaille bam quitter nous garde vidéo encore une fois toute vidéo n'a pas saisi ouais. Comment pas que thank you.
volé Gekra. Au sort de cette vidéo, mesdames, messieurs, probablement qu'a dicté tout. Qui s'est passé? Qui s'est la cause ces derniers temps de yo vigné plus moun qui a fait zak sa yo? Mais on va dire que vous voulez nous comprendre. Majorité moun nan mode là toujours cherche un travail qui facile pour faire un cop qui easy. Pour faire juste son l'argent, juste son bagay qui aller et puis le fait cop là au fini. Même voulez nous comprendre ça avec un pile intérêt, un pile compréhension que gen des bagay là arrivé dans sens que yo ka toujours déranger la République. Yo ka toujours déranger groupe moun mais c'est pas parce que en général entièrement tout le monde a un problème. Parce que si tu as un problème qui a passé vrai, je pose peut-être une question qui est la cause que nous avons 10 ans nous dans cette là, nous avons toujours été géniaux. Nous avons avec nous, nous confirmons nous avec ce qui a privé. Je dis que petit volé, petit bandit, petit gangster, c'est petit voyou, il y a une raison. Mais est-ce que si nous avons commencé par une leçon que nous méritons, est-ce que nous avons continué à faire des choses comme ça? Est-ce que, mesdames, messieurs, vous avez toujours été dans une situation pour continuer à entrer la caille, nous, violer petit nous, voler sans gagner, kidnapper nous, si que nous te dit nous, n'a pas fait faisceau, ça tout près la caille, nous, on va pas se prendre. Pas oublier, dans un exercice de simulation que nous avons fait, Haïti pas gagné au minimum, pas gagné au minimum 60, bon, nous avons dit ça, 15 000 gangs. Pas bien 20 ni 30 000 gangs. C'est des qui fait réplique à travers le gros sam qui ont gagné dans le yo. Et normalement, nous avons plus que 10 millions de moun, plus. Et ça m'a banou là comme chiffre, c'est un recensement depuis 2010. À nos jours, par un lot. Nous avons compris ça, m'a expliqué là. Si nous décidons, un jour nous dit, il faut que nous changions les choses, il faut que nous montrions qu'il faut qu'il y ait une différence. Il faut que le pays d'Haïti change de régime, change de mécanisme, change de position. Nous disons, nous ne pouvons pas agir dans l'idée pour nous faire aucun net plaisir encore. Nous garantissons que nous avons plus de valeur dans la société. Donc, mesdames, messieurs, la situation ça est difficile et inacceptable de ce qui a passé dans le pays, mais de ce qui a passé à travers les différents endroits. Je vais remarquer, on a débarqué malfrayo, on a débarqué dans Kaila, et il y a un bagage que vous faites, premier bagage là, mesdames, messieurs, vous êtes bon. Donc, bon, dans un moment, ou bien servante là, désolé si je dis bon, servante là, mon cap travaille dans Kaila, selon information que nous gagnons, et de la part de Zami, nous, qui fait nous part de action ça, ou bien mouvement ça. Donc, madame Zaha qui était dans Kaila qui a desservi qui âgée d'une trentaine d'années donc il perturbe la ville pendant le pas comprendre au courant elle pas comprendre si n'a que des conscience si était au moins un petit cal monde même un petit cal chat la caillou pas même besoin monde un petit cal chien je t'a dit mon cher il y a des monde au moins tu as fait long grâce au moins n'a que pas t'a obligé tuer dame ça balle en tête mais est-ce que n'est ça une conscience est-ce que c'est pas du foutre en l'air que m'a fait est-ce que c'est pas roche m'a boué dans la mer dans l'espoir que m'a rempli donc est-ce que c'est pas ça en tout cas dans ça qui gagne à quoi mesdames messieurs avec information jeune demoiselle ça qui était en République dominicaine malgré bah, passeport gain un mois de bille expiré monsieur dans immigration il pas décidé bal chance et ça que vous fait yo débarquer mesdames messieurs yo dit tête yo faut que vous fait mouvement pour capable prendre demoiselle ça yo expulser sur la terre haïtienne et les arriver madame monsieur selon information que sœur demoiselle là-bas nous il fait plusieurs démarches au niveau des agents de Polyfront qui sont autour yo décidé yo pas accompagner puisque mesdames monsieur te volé téléphone et valise li selon ça nous gagnons comme information là il dit donc li obligé joindre moyen et ben là il cherche une façon pour capable mander un autre malfrat voyou qui l'a spécialisé yo sous frontière même pour capable bien faire vol ou me kidnapper moun donc dans logique nèg yo là yo toujours chercher attention moun et selon demoiselle là la expliquer à seul yo ta man li ta mandé yo minute pour ta entrer en contact avec yo soit sur Facebook ou bien n'importe l'autre façon et bien mesdames messieurs donc nèg yo tout levé li à la veille histoire ça terrible li tragique c'est avec un peu de tristesse que me parler de lui m'a passé avec nous je me sens pas tout à fait correct je me sens pas tout à fait bien puisque on a
de filles ou bien de grandes filles qui autour de nous, nous gain famille, nous gain sœur, nous gain madame, so bagay sa yo vraiment spécial. Ou pas comment on est ka minou ton fille, et genre ou faire on est ga yo maltraité, non seulement yo batli, yo maltraité, yo fait yo fait yo mettez sans sous col, yo fait sexe avec tout côté qu'on aime connait yo, tout côté qui gagne un petit espace de trou, mais yo profiter fait ça entre bête, yo déshumaniser demoiselle là. N'a pas d'accord même que personne monde va pas accepter ça. Cette photo son photo qui terrible, qui de l'aide, qui difficile ou même garder pour même accepter. M'a profité dit non payant de corps, nous pas bien m'arrêter comme ça. N'a pas obligeons le malgré tout pour une petite force, pour un petit courage, pour une petite faut différence, pour une arrangement, pour nous montrer que une différence, un paquet de bagages qui est capable d'arranger, et pour nous montrer que pays, hein, il y a des changements que nous devons faire, il y a des arrangements que nous devons faire. Est-ce qu'il a prêté là, est-ce qu'il n'a pas accepté bagages, continuer comme ça, est-ce qu'il n'a pas accepté que bagages, y aurait été dans niveau ça, est-ce que jeunes filles, jeunes garçons, nous même qui en Haïti, est-ce que nous pas jamais arrivé dans une situation pour nous dire, n'a fait mouvement pour nous capable. Est-ce que nous avons prêté dans une situation pour nous bailler une chance là? Est-ce que nous pas révolté tout comme faisait Jean-Jacques Dessalines, tout comme Henri Christophe, tout comme un paquet de nègres qui te font pile gros sacrifice pour nous-mêmes, pour nous avancer. Donc, mesdames, messieurs, est-ce que nous avons prêté là? Est-ce que nous avons campé dans une situation comme ça? Est-ce que nous avons goumé? Est-ce que nous avons dit tête nous, faut que nous avancions? Donc, la République demande que dans le moment ça même, pour nous tous commencer par responsabilité, nous pas qu'attendre nèg sa yo qui dit c'est des leaders politiques, nous pas qu'attendre pour dire nèg sa yo qui c'est des nèg au pouvoir, nous pas qu'attendre pour dire nèg sa yo capable font bagaille pour nous pas qu'attendre pour nous expliquer au fait nèg sa yo que eux même qui capable résoudre problème. M'a profiter dit nous jeune fille, prends temps nous pour nous pas entrer dans tout, nous pas prendre d'appien pour petit mot de foquet qui va bon. Migration et li pral parler avec correspondant permanent nous aux États-Unis, Luxon Saint-Ville qui est déjà avec nous. Luxon, bonjour. Bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier de Seul, bonjour Bobsé, bonjour tout le monde. Baron, est-ce que nous bien recevoir? 5 sur 5. Effectivement, jeudi, c'est 4 juillet, c'est fête indépendance, et pays les États-Unis, Radio-Télévision Caraïbe prend jour ça pour poser un problème trafic d'armes illégal qui a sorti sous territoire américain pour rentrer en Haïti. Avant même nous arriver dans le fond sujet à fond, selon le dernier chiffre qui est disponible, il y a environ 500 000 âmes à feu qui a circulé en Haïti. Et dans le chiffre, ça a seulement 10% là-dedans qui est illégal. D'après ça, des experts révélés dans un article à Ibopost, un média haïtien publié en septembre 2021, États-Unis baillent une quantité importante d'armes qui tombaient dans les mains criminelles qui ont opéré dans la région de Mexique, dans l'Amérique centrale, là, ou bien dans le pays, dans les Caraïbes. Là. Ça fait qu'on est que chaque année, Pierre-Renel Guerrier Bobsé, la police nationale en Haïti collaborait avec bureau alcool, tabac, armes à feu et puis explosifs qui gagnent dans jouet ATF et pour joindre l'information sous qui monde qui a acheté armes, dans qui circonstances y acheté armes, qui type d'exportation y a fait. Mais tout fond dit parmi armes capé retracé en Haïti, yon bon parti sorti États-Unis selon sa même institution ça rapporté. Deux ans de cela, yon institut indépendant qui est The American Progress qui sorti yon rapport qui expliquait comment faiblesse loi américaine sous armes à feu yon alimenté crime violent cap fait dans pays étranger. Nous planter des corps ça pour nous kabay moun kap tande là yon idée sous rapport Haïti avec États-Unis dans la circulation d'armes illégales ou bien trafic d'armes illégales. Pour nous arriver poser un ensemble de questions et jouer une réponse qui est nécessaire, j'en suis dit là, nous gagnons avec nous, sous l'ignorant là, Rod Joseph qui lui-même sont vétérans combattants, il fait guerre Irak. Afghanistan, c'est un diplomate, un historien, un entrepreneur. C'est avec plaisir de recevoir Rod Joseph pour venir parler question ZAM. Rod Joseph, son plaisir pour nous recevoir sur la plateforme Radio-Télévision Caraïbe. Son plaisir, comment nous y est? Bonjour à tout un staff, équipe Radio-Caraïbe, Guerrier, Monsieur Bob C,
avec nous, et puis m'a dit merci Wilkinson, et puis merci à tous auditeurs et auditrices qui ont écouté Radio Caraïbes dans tout coin monde là, et c'est un plaisir pour moi avec nous matin là. Alors, moi, Joseph, n'a pas pour nous parler de questions ZAM, particulièrement parce que c'est tout. Mais nous, maintenant, dans un second temps, n'a pas pour nous étendre Maître Fredley Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans la question crime et immigration. Avant nous, il est même sous Fredley Denis Julien, guerrier Bob Pierre-Onel. Nous voulons garder avec Rode Joseph comment pourrions-nous acheter un ZAM aux États-Unis, comment le processus légal qui soit rempli comme condition. Qui l'âge ou doit gagner, qui statut doit gagner pour acheter des armes aux États-Unis. Pour Joseph, mon capitaine de là, ensemble de questions, ça, qui est l'élément de réponse ou capable de bailler, mon capitaine de là. Bonjour, Luc Seguin. Pour acheter des armes, il varie de état pour état. Tel que l'état ou l'état rouge, l'état vert, l'état qui parie qu'il y a un principe même. Tant qu'au Pennsylvanie, ou gagner tant qu'au Texas, Florida dans état qui vraiment gagne yon loi qui très facile pour moun opter. Mais en tout gagne pour Florida, yon dou faut gagne 21 ans, faut que ou même pas un criminel et puis faut au moun qui pas gagne problème mental. Mais ça varie. Ça aller là à l'acheter zam dans store, dans shop. Yon bagay ki rele gun sell, sa nou te ka lit mache van zam. Chak semen gen yon konvoi moun ki soti nan tout etat ki vin van zam chak weekend nan diferent vil. Le konsa moun sa yo, yo proteje an ba yon loi ki rele PLCCA. Loi sa yon nou zame dire, son loi ki proteje un commerçant qui a vendu des armes, côté n'a pas besoin en régulation avec loi État qui a vendu. Sauf que Californie, dans tout État qui est aux États-Unis, qui restreint vente, achat, armes avec ammunition. Ce petit bagage est très simple pour ce processus-là, je voulais pour comprendre. Il est simple pour les gens qui connaissent. Il est compliqué pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas. Spécialement pour l'État haïtien. L'État haïtien a gagné des voiles et l'État haïtien est capable, ensemble avec l'État États-Unis, de façon à camper entre les armes. Mexique fait, Guatemala fait, États-Unis a fait, Haïti a fait. Mais nous vivons une bagaille qui est réalité. L'on pas connaît ou pas jugé. Parce que tout ça qui passe en Haïti, nous avons pensé à CDEA. Qui pour ranger tout bagaille. DEA seulement focus dans le dossier drogue. DEA pas fixé tout bagaille. Ça veut dire que c'est plus gros problème d'influence DEA. M'adresser ça avec des députés américains, des sénateurs, pour couper influence ça parce que ça vient empêcher des CPJ de faire travail. Ça vient empêcher. Et en PNH fait travail, parce que tout problème qui gagne, qui pas même gagne rapport avec DEA, c'est DEA. Il y a un process pour le pays d'Haïti, même si c'est pays à capacité d'armes, il y a un système qui est EAR. Système, ça, c'est un système qui normalise ça, que les exports administratifs à régulation pour armes à feu avec ammunition. Les mêmes tout, les deux formes pour une temporaire, pour exemple, si un commissaire de police entre aux États-Unis pour venir acheter aux armes, déjà la police te balle l'autorisation, les deux formes qui est les temporaire export, qui c'est une forme CBP 44457, moun sa bien document. DG la police Bali, ministre intérieur Bali, qui traduit avec ça, il y a 40 plus femmes, ça nomme Mouni acheté Zamman, et puis là où il veut qu'on là, il y a parlé de l'autre système qui est le EAS, qui c'est une obligation pour toutes les âmes qui ont quitté les États-Unis, toutes les âmes, toutes les balles qui ont quitté les États-Unis. Mais il y a une exception pour loi ça. Si un citoyen mettait 1000 boulettes dans une valise, li gagnon zam li te remet nan ba avion pour voyer limite la pour pas voyage c'est 1000 boulettes au moun ka mete mais problème qui gagne avec ça c'est responsabilité ou sou pas gagne ou pas besoin de ken papier nan men ou sou pas être avec zam ou remet li ou déclarer nan compte American Airlines nan valise ou gagne 1000 boulettes qui encaissé
1000 boulettes qui ont cassé ça, c'est minimum que la loi aux États-Unis baille. Qu'on y a l'air pour arriver en Haïti, si on arrête toi, mes amis, ça, c'est responsabilité pour te rejeter avec le gouvernement haïtien. Il nous laisse ça. Oui. Alors, allez, mon Joseph, nous arrivons sur le type d'exploitation et aspect légal là, et mettre Franck Denis Julien, qui est un spécialiste en question crime et à immigration, il était parlé sur ça avec nous. Et il a demandé pour Grégory et mettre le prêt pour Franck Denis qui était parlé avec nous avant même nous faire intervention. Ça, nous avons gardé avec lui. Comment un monde qui a exporté les armes sorti États-Unis aller dans l'autre pays, combien de types d'exportation gagnent, qui entité qui gère question ça. N'a pas invité auditeur à côté de ici, attendez, ont extrait la déclaration maître Franck Denis Julien sur question ça. Avion avec bâtiment yo pas gen rôle pour yo inspecter, par exemple avion, par exemple, yo pas gen rôle pour yo inspecter mallette que ou passer en bas pour voir est-ce que ou avoir les armes dans l'autre pays. Yo pas gen rôle pour yo empêcher ça non plus, parce que pas oublier que avant que mallette ça yo rive dans avion ou passer dans checkpoint dans aéroport, et checkpoint ça c'est département et sécurité frontalière qui gère yo. Donc dans sens ça, c'est pas World Airline pour faire ça, c'est World gouvernement américain pour faire ça. Maintenant airline yo et ligne aérienne yo qui ça yo gen pour responsabilité, yo gen pour responsabilité pour yo faut remplir en forme. Et forme là a dit que sous gen zam ko passe en bas mallette là, zam nan pon zam ki chargé, li pa gen zam e baladan. Et une fois que vous fait ça, yo transféro à département sécurité et du transport TSA, OK? Et yo même c'est TSA qui pour faire screening là pour voir est-ce que tout papier en ordre. Donc en gros, c'est et wall moun yo ça maintenant.